Toute l'équipe vous souhaite joyeux Noël. Joyeux temps de fête. Il voyait bien Dieu du haut de son ciel que tout allait mal. Que les hommes détruisaient la planète, faisaient n'importe quoi, essayaient de s'entretuer parfois en se réclamant de lui. Quel gâchis! Mais comment leur parler à tous ces hommes si minuscules? Si j'écris du haut du ciel, tout le monde va avoir peur. Ils vont tous se cacher. Si je descends en grande pompe, ils se calmeront par crainte. Ils recommenceront dès que j'aurai le dos tourné. Je voudrais toucher leur cœur. Soudain, Dieu a une inspiration. On n'en attendait pas moins de lui. Il faudrait que je sois comme eux, que je parle leur langage. J'ai une idée. Je vais descendre sur la terre, non pas comme un prophète barbu, les gens auraient encore peur. Je vais venir dans ce monde comme tous les hommes viennent, sous la forme d'un petit enfant. Je vais naître dans l'endroit le plus humble pour me mettre à la portée de tous et je vais grandir avec eux, partager leur vie et leur apporter le message de la réconciliation. Et Dieu a mis son plan en route, mais il a bien préparé son affaire. Ce n'est pas un bricoleur, Dieu, c'est un vrai pro. Plusieurs siècles à l'avance, il annonce par la bouche des prophètes ce qu'il allait faire. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous ». Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Et plus loin, il rajoute : Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Prince de la paix. Isaïe, chapitre 9, verset 6. Il naîtra à Bethléem, Judée. Michée, chapitre 5, verset 1. Jésus est né à Bethléem dans une étable. Il a grandi à Nazareth, en Galilée, et vers l'âge de 30 ans, il a partagé son message de pardon et de réconciliation. Sa parole étant confirmée par des miracles et des guérisons. Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Michée, chapitre 5, verset 1. Au temps fixé, Dieu choisit une jeune fille vierge, Marie, pour qu'elle soit la mère du Sauveur. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu, chapitre 1, verset 18. Et comme les prophètes l'avaient annoncé, Dieu est venu vers nous dans la personne de son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus est né à Bethléem dans une étable. Il a grandi à Nazareth en Galilée et vers l'âge de 30 ans, il a partagé son message de pardon et de réconciliation. Sa parole étant confirmée par des miracles et des guérisons. Les chefs religieux, jaloux de son influence, l'ont fait crucifier par les Romains. Jésus aurait pu se défendre, faire combattre des légions d'anges, mais dans son amour infini, il s'est laissé mourir sur la croix pour recevoir à notre place le châtiment que nous méritons tous à cause de notre méchanceté. Mais Jésus n'est pas resté dans la tombe. Dieu l'a ressuscité. Jésus est vivant. Il veut venir dans ton cœur pour te faire ressusciter, toi aussi, à une vie nouvelle. Il veut te donner un cœur nouveau pour que toi aussi tu apportes autour de toi le message de la réconciliation. Il frappe aujourd'hui à la porte de ton cœur. Vas-tu lui ouvrir? As-tu une place pour lui dans ton cœur? Vois-tu cette bonne nouvelle? Veux-tu le suivre pour devenir son disciple? Si tu le désires, fais cette prière sincèrement. Seigneur Jésus, merci pour ton amour pour moi. Merci d'être venu mourir sur une croix pour subir le châtiment que je mérite à cause de mes péchés. Je veux me repentir et changer de vie. Je crois que par ta mort, je suis pardonnée et réconciliée avec Dieu. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Viens dans mon cœur pour me conduire dans une nouvelle vie avec toi. Amen. Joyeux temps des fêtes. Va dans une église évangélique qui enseigne la parole de Dieu afin de grandir avec d'autres personnes qui partagent la même foi en Dieu. Clique sur ce lien.